Le rock allemand, retour au concert du Top, deuxième partie. Le plus traditionnel musique allemande des groupes qui ont figuré ce jour-là ou ces deux jours-là à Boulogne. Pas de recours à l'électronique ici. Manny Neumeier, c'est le batteur, vient du free jazz et c'est lui qui est en vedette dans ce morceau qui est un hommage à Robert Crumb parce qu'il s'appelle Ooga Booga. Thank you.
Klaus Schulze, lui, a réduit la notion de groupe à sa plus simple expression. C'est un peu le capitaine Nemo du rock allemand. Il est seul sur scène avec des magnétophones, des chambres de réverbération à écho multiple, des filtres, des oscillateurs, des limiteurs, des compresseurs. Et alors que la pop musique vivait depuis sa naissance sur une instrumentation traditionnelle, basse, batterie, guitare, piano, qui était juste amplifiée électriquement, le rock allemand a choisi l'électronique, ou plutôt la musique électroacoustique. Et c'est un choix radicalement différent. Désormais, la musique est créée de toutes pièces. Ainsi, la Kosmische Musik, ce rock d'Outre-Rhin, apparaît comme une tentative de renouvellement et probablement la plus originale qui ait connu la musique pop depuis très longtemps. Was bedeutet eigentlich der Name?